Né en 69 à Sydney. Aujourd'hui, je vais vous parler d'OREN AMBARCHI. Bonjour à toutes et à tous. C'est un guitariste au départ, AMBARCHI. Et puis, il va. Je crois qu'il débute à la fin des années 80. Tout début des années 90, je pense. Et il va très vite. Lorgner du côté de la musique expérimentale et puis peu à peu il va prendre un virage presque électronique, on peut dire comme ça. Dans la majorité des cas il fait quand même de la musique assez assez déformaté et donc expérimental effectivement, et puis il lui arrive de faire des disques un peu plus accessibles, un peu plus définissables, voilà, on va dire ça comme ça. Surtout surtout maintenant, peut-être qu'il s'est un peu assagi. Moi, je trouvais sa musique plus intéressante à l'époque où il faisait des choses vraiment expérimentales. Maintenant, j'aime bien aussi que les musiciens évoluent. Donc, bon. Alors, celui-ci, notamment, il est intéressant parce que il. Je l'avais déjà présenté en live, celui-ci, il sample un morceau d'ACDC qu'il fait tourner en boucle de manière assez obsédante. Et puis il va broder dessus des arabesques électroniques et de guitare, me semble-t-il, de mémoire, pour faire glisser un petit peu le truc. Et donc de fait... lorgner sur une sorte d'éclatement de la musique de départ, tout en gardant le côté obsédant et hypnotique, hypnotisant. Voilà. C'est pas le meilleur disque de AMBARCHI, mais ma foi, je l'aime beaucoup. Stract Karaoke 2, comme son nom l'indique, il me semble qu'il en a fait un premier, je l'ai pas, je le connais pas. En revanche, j'en ai écouté une fois, je connais pas le titre, donc c'est peut-être celui-là dont il s'agit. Il a repris ZZ Top pour faire à peu près la même chose, et c'était ma foi excellent. Après, je vais pas tous les détailler. Celui-là très bon. Hence. Simian Angel. Celui-là est très très bon. Hubris, qui a un côté très très... Kraftwerkien. Avec Will Guthrie, Arto Lindsay, Jim O'Rourke. Entre autres. Voilà, donc il y a beaucoup de guitare, mais il y a aussi beaucoup de synthé sur celui-ci. Voilà. Celui-là est vraiment pas mal du tout. Ça, c'est une collaboration avec... avec qui? C'est une bonne question, parce qu'il collabore beaucoup, monsieur. Je me demande s'il n'y a pas notre ami Keiji Aino, absolument. Le chanteur japonais fou. Steven O'Malley, de Sono. Voilà, Nadzoranai, un album en trio. Bon, c'est un album de noise sur lequel il faut vraiment s'accrocher. C'est pas facile d'accès. Et puis, c'est pas facile à trouver. Voilà. Celui-ci, qui m'avait pas laissé un souvenir impérissable, faut bien l'admettre. OREN AMBARCHI et Robin Fox.
Ghosted, ça c'est très très bon. Avec Johan Bertling et Andreas Werling, que j'avoue ne pas connaître plus que ça. Ça par contre c'était pas terrible. Avec le... Je crois que c'est avec le percussionniste de The Next. Et justement, ils font du sous The Next. Et bon, c'est pas hyper intéressant. Shebang, c'est pareil, c'est pas fou. Il y a un côté un peu rock prog, je crois, de mémoire, si ma mémoire est exacte. Je l'ai pas trouvé exceptionnel. Voilà. Mais par contre, celui-ci, Sagittarian Domain, excellent. Beaucoup plus comment axé, c'est un album très percussif, très rythmique. Et enfin, les deux, enfin moi en tout cas ceux que je préfère. Alors avec Casey Jagger, aka Bonnet, l'actuel directeur du GRM, et James Rushford, Festime, très bon. Vraiment très très bon. Et alors ce chef-d'œuvre là, je l'avais dit je crois à l'époque de mon live, ça m'arrive pas souvent hein, d'aller chercher des disques, de courir après des disques sur Discogs, etc. D'attendre, de chercher très régulièrement, d'y retourner pour voir si ils sont à nouveau dispo et à des prix convenables. Grapes from the Estate. Celui-là, j'ai mis du temps à l'obtenir, à le trouver. Malheureusement, j'ai pas trouvé la version que je voulais. Parce que oui, ça m'arrive. C'est pas souvent non plus. Mais je cherche parfois des versions bien particulières. Parce qu'il y en avait un avec un bonus que malheureusement je n'ai pas pu avoir. Néanmoins, ce disque est merveilleux. Vraiment très très beau. On frise. Alors c'est entre le drone et l'ambiante. Bon, c'est quand même plus de l'ambiante que du drone, mais c'est une musique électronique très aux textures très très douces et très subtiles. Par petites, les variations arrivent par petites touches. Monsieur Pinap, par exemple, devrait écouter ce disque. Je ne peux que lui conseiller. Voilà. OREN AMBARCHI, Grapes from the Estate. Merveilleux disque, vraiment très très beau, à l'image de sa pochette, très solaire. Ça ouvre les horizons. Et je voulais terminer ce petit chapitre OREN AMBARCHI avec ce disque. Voilà. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Je vous souhaite le meilleur, salut.